Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est du genre Snapchat. Je sais pas si vous connaissez Snapchat, enfin, si vous connaissez pas, je vous explique en bref. Snapchat est une application pour tout le monde où c'est que on se prend en photo ou en vidéo et on envoie à toutes les personnes, à tous nos amis qu'on a. Et on peut se prendre n'importe où, n'importe comment. C'est Snapchat. En fait, le but est de s'amuser, rigoler un bon coup. Voilà. Donc, Snapchat, en fait, ce qui est marrant dans Snapchat, c'est que vous avez toujours ces trois types de personnes. Ces trois types de personnes, je vais vous les citer là. Moi, je fais partie plutôt des premiers ou deuxièmes. Ouais, dans les trois, dans les deuxièmes. Les premiers, donc les number one, c'est ceux qui en fait, vous savez pas par quel moyen, mais ils vous envoient 50 000 snaps en 1 heure. Non mais c'est, je vous assure, ils vous envoient plein de Snapchats d'affilée, vidéos, photos, voilà. J'ai un exemple là que je vous mets. Voilà. Après, vous avez les deuxièmes types de personnes, donc un peu comme moi, les gens qui en fait qui n'envoient pas beaucoup de snaps, mais qui en envoient quand même plusieurs fois par jour, ceux qui envoient tout et n'importe quoi. Voilà. Donc moi, j'envoie plus des snaps comme bonjour, comment ça va? Ou des bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, un truc comme ça quoi, voilà. Et après, nous avons la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est les gens sur Snapchat. Ils envoient un snap limite une fois par mois. Donc je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, ils envoient quand même des snaps une fois par mois. Après il y a après donc les trois types de personnes sont déjà passées. Voilà. Après il y a les gens qui eux envoient des snaps. Mais quand c'est toi qui envoies de leur des snaps, genre bizarre. Et ils vont te dire dans Snap, il est bizarre. Non, mais c'est ça. Non, en vrai, il y a toujours des gens. En fait, il y a des gens. Je sais pas pourquoi. Genre, t'envoies des snaps, ils les ouvrent, mais ils répondent pas. Tu sais, genre, quand on te pose une question, mais ils répondent pas. Truc, je comprends pas. Faudrait m'expliquer. Après, il y a aussi ceux qui les ouvrent pas. Alors, je sais pas de quoi pourquoi ils ouvrent pas, je sais pas s'ils veulent pas les ouvrir parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils ne le voient pas, ou tout simplement ils ont peur de découvrir derrière le snap qu'on leur a envoyé. Je sais pas. Non, mais c'est sérieusement. En vrai, Snapchat, c'est une vraie embrouille. C'est bien, c'est super, mais des fois c'est une vraie embrouille. Des fois tu t'embrouilles, des fois tu rigoles, des fois t'es mort de rire, tu rigoles. Tellement t'en peux plus. Snapchat, j'adore. Mais faut juste savoir ce qu'on envoie. Parce que c'est sûr que si tu t'envoies toi en train d'aller aux toilettes, on va très peut-être ne pas prendre une vidéo dans ce cas-là. Parce que ouais, il y en a limite, ils se prennent en vidéo en train de, je sais pas, d'être aux toilettes. Alors je sais pas trop, il y en a, ils y arrivent. Ils ont des délires, je comprends pas. Le truc c'est je comprends pas. Mais des fois c'est marrant. Il y a des snaps qui sont marrants. D'autres tu te poses des questions. Et d'autres, je sais pas pourquoi ils sont là. Bref, c'est Snapchat. Si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce vert ou un pouce bleu. Ouais, c'est plus un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Si tu veux mon Snapchat, c'est Clara Séverac. Allez, kiss.